Merde. Oh putain, c'est quoi ça? Amène-moi à la frontière. Mais on est en Corse, y a pas de frontière en Corse. Amène-moi à la frontière. La moitié du bulletin. Va te faire foutre, je suis en retard. Merde. Encore. Est-ce que... Bonjour, mon cher ami. Voyez-vous, j'ai un corps dont j'aimerais me débarrasser. Vous pourriez me donner un petit coup de main, s'il vous plaît? Oh, merde. Merde. What the fuck? Oh. Sérieux? Nous sommes venus pour vous faire aimer Dragon Ball Evolution. Tous les jours qu'ils pouvaient prendre pour débarquer le flic sont aujourd'hui. Retraite. De merde. Non. Voilà. Choisissez l'excuse de mon absence pour la Japan Expo que vous préférez. Dieu sait que j'aurais tué pour être parmi vous aujourd'hui, mais c'est la vie. Donc pour m'excuser de mon absence et pour faire en sorte que vous ayez quand même une petite partie de moi cette semaine, je vais vous faire la critique d'un film exclusivement pour la Japan Expo. Et pas un film récent. De toute façon, il y a peu de chances que la princesse Kaguya arrive en Corse. Genre, du tout. Donc, qu'est-ce que je vais critiquer aujourd'hui? Ceci. Metal Alchemist, l'étoile sacrée de Milos. Ceux qui regardent Meriah's Folio savent que j'adore Full Metal Alchemist. C'est mon manga et mon animé préféré. J'adore le concept de ce monde basé sur une toute autre science, sans pour autant ne tourner qu'autour de ça, ayant quand même des personnages s'intéressant à autre chose que cette science. Vraiment, Pokémon, Beyblade, Yu-Gi-Oh! J'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'adore la musique, l'humour, ainsi que la fin des deux versions. J'aime même le film Conqueror of Bala et le reboot car inutile qu'était Brotherhood. Et ce, malgré quelques clichés de shonen un petit peu gênants. Donc, quand j'ai su qu'on allait faire un autre film Fullmetal Alchemist, qui n'était pas une suite canonique, contrairement au Conqueror of Shambhala, il fallait que je voie absolument ce film! Même si ce n'est certainement pas indispensable. Donc, dans ce film, nous retrouvons les frères Eric, Edouard et Alphonse qui sont embarqués dans une nouvelle enquête liée à l'alchimie. Un homme mystérieux du nom de Melvin s'évade de la prison de Centrale et ce, grâce à ses compétences en alchimie des plus impressionnantes. Et la piste les emmène à la ville de Table City. Une ville coupée en deux entre deux pays et ne demandant qu'à exploser sous la guerre civile. Et dans cette guerre, il rencontre la jeune Julia Crichton, qui se bat pour sauver son peuple opprimé. Enfin, peuple adoptif opprimé, le peuple de Milos. Et cette guerre se terminera sur une chose. L'étoile sacrée de Milos. Connue sous un autre nom dans une autre culture. Comme étant la pierre philosophale. La pierre qui confère des pouvoirs pratiquement illimités à un alchimiste. Donc, est-ce que ce film est bon? Oui, mais c'est concrètement le moins bon épisode de la saga. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, bien sûr, mais disons que... Vous voyez la saga Pirates des Caraïbes? Eh bien, si vous voulez, ce film, c'est La Fontaine de Jouvence. Voilà, c'est très sympatoche, hein, c'est toujours sympa de voir nos héros préférés et tout, mais comparé au super truc qu'il y a eu juste avant, ça fait... Oui, la trilogie Pirates des Caraïbes est excellente. J'en parlerai dans un futur arrière spoiler. Commençons avec le plus gros point noir de ce film, l'animation. L'animation est vraiment, mais alors vraiment pas terrible. Ça se laisse regarder, bien sûr, on est très loin d'Impossible de Notre-Dame 2,
Mais comparé à tout ce qu'on a eu dans cette série, surtout dans le domaine de la japanimation, c'est moche. Quand tu ressors du film Conker Rush, voilà, qu'est-ce que je raconte? Quand tu ressors de la première série, ça paraît juste nul comme animation. Ouais, l'animation est de moins bonne qualité que la première série. C'est à ce point! Non seulement les dessins sont brouillons et manquent cruellement de détails, et que lors d'une scène d'action mélangeant un décor 3D, t'as l'impression d'être dans Paper Mario, mais en plus, l'animation saccade à max! Lors de cette même séquence, la séquence du train, les cheveux d'Edouard, je vous déconne pas, ils font comme ça. Pour un film adapté d'une des meilleures sagas de manga animés de la Japanimation, on espérait au moins un truc au niveau de l'animation de La Légende de Korra, qui est une série télé. Les persos sont quand même dessinés par le même character designer que Tokyo Godfather, merde. Et le deuxième et troisième point noir sont Mustang et Winry. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Quoi? Mais comment est-ce que Mustang, le personnage le plus cool de la série, voire de toute la Japanimation, peut être un défaut? Alors premièrement, non, le plus cool c'est Hughes. Deux, pourquoi personne s'étonne pour Winry? Dis ça parce que j'ai remarqué avec surprise que beaucoup la détestaient en fait. Surtout les fangirls. Je comprends pas pourquoi. Moi j'aime bien Winry. Je la trouve vraiment cool, c'est vraiment un personnage digne de Chloé Moretz. Et trois, le problème, c'est qu'ils sont totalement inutiles. Non! Je ne plaisante pas. Ils ne servent absolument à rien. Ils sont là uniquement parce que s'ils n'étaient pas là, les otaku et les fanboys s'en seraient plaints. Mets-les si tu veux ces personnages, mais si t'as aucune idée de ce que tu vas en faire, bah, c'est pas la peine de te faire chier quoi. Rien que la façon dont Winry démontre son inutilité dans cette histoire est proche d'une blague quoi. Ok, la première scène où tu la vois, elle s'incruste dans le bureau de Mustang, personne l'a arrêté à l'entrée du centre apparemment. Bon. Elle est genre, ouais, je dois aller voir Ed, je dois faire une petite rénovation de sa méca-greffe. Oui, j'appelle ça une méca-greffe. Pourquoi est-ce qu'on appellerait ça un automail? Et puis de toute façon, la VF de la première série était très sympa, donc tant qu'à faire. Donc Ed, bien entendu, n'est pas là, donc Mustang part à la recherche de Ed à Table City, accompagné de Winry. Hein? Pourquoi est-ce que Mustang emmènerait une civile dans cette histoire? Et puis merde Winry, pourquoi est-ce que tu l'accompagnes de toute façon? D'accord qu'on doit réviser le bras de Ed, mais je pense que ça peut attendre une petite semaine, tu vois? Mais enfin, quelques scènes d'action plus tard, bien sûr, Ed casse sa méca-greffe. Là tu te dis, oh, c'est pour ça que Winry vient. C'est juste le petit Deus Ex Machina qui répare un truc qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de mettre dans le scénario si on réfléchit bien. Traduction pour réparer la méca-greffe. Et c'est là que ça en devient comique. Winry, tu tombes bien. J'ai cassé ma méca-greffe lors d'un combat. Tu peux la réparer vite fait? Quoi? Non, je ne peux pas. Comment ça? Ah, je suis venu pour une révision, pas pour une réparation. J'ai pas les outils pour. Quoi? Mais pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Et après ça, Ed va voir le spécialiste en méca-greffe de la région de Milos. Juste pour confirmer que Winry ne servait à rien dans ce film. Mustang, c'est un petit peu moins drôle, mais encore plus insultant en fait. Bon, il y a en effet un moment où il sert à quelque chose. Full Metal, va là-bas faire ça. Mais après, il s'incruste à Table City, sans aucune raison maintenant que j'y pense, et il aide Ed en combattant des chimères que le méchant a juste fait venir pour pouvoir occuper Mustang dans une scène d'action. L'inutilité est vraiment mathématique dans ce film en fait. Donc voilà, Mustang qui éclate des chimères en claquant des doigts. On va voir Mustang faire ce qu'il sait faire le mieux. Oh, attends, non, ce combat est hors champ! Vous avez fait venir Mustang sans profiter de sa super classe quand il claque des doigts? C'est comme faire venir Winry sans lui faire utiliser sa clé à mo... Ah, justement. Je veux dire, si c'est juste pour qu'ils apparaissent quelques secondes, bah, autant vous contenter d'un simple caméo. Vous savez? Comme Armstrong qui fait un très chouette clin d'œil à un moment. L'histoire, quant à elle, bah c'est Full Metal Alchimiste. L'histoire d'une mec qui arrive dans une ville complètement délabrée en y apportant sa science à une jeune fille qui représente la pureté de cette ville pour la confronter à l'horreur de cette ville, à la guerre et surtout à ce qu'elle doit donner pour avoir ce qu'elle veut. Ouais, c'est grosso modo l'histoire de Lior. Mais en un peu plus épique et aventureuse. Et en un chouïa plus compliqué. Inutilement compliqué sur les bords, mais voilà. Pour être honnête, le personnage de Julia,
est mille fois plus intéressante que le rose en fait. Elle est prête à utiliser l'étoile sacrée de Milos, une pierre faite de milliers d'âmes d'hommes innocents. Elle est prête à endurer la mort de ses compagnons d'armes pour réussir. Tout ça pour que son peuple ait un pays. Peuple qui d'ailleurs n'est même pas le sien et qui a indirectement provoqué la mort de ses parents. Bon, dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air complètement débile, vu qu'ils pourraient tout simplement continuer leur vie sans pays. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un pays? Mais là, elle dit un truc assez fascinant. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre sans pays. Et à ça, tout ce qu'on peut répondre, c'est... Non, je ne sais pas, en effet. Je ne sais pas ce que c'est de vivre sans pays. Donc au final, elle a quelque part une des motivations des plus compréhensibles, tout en étant assez difficile à capter, ce qui est assez fascinant en fait. C'est juste que sa méthode est un petit peu dure à approuver. Même Ed a du mal à l'approuver, et c'est aussi assez désespéré comme solution. C'est déjà une motivation un peu plus intéressante que Rose qui voulait juste ressusciter son amant. Sinon, l'histoire est bien écrite, mais il y a certains points où ça devient un petit peu bizarre. Notamment vis-à-vis de la continuité de la saga. Bon, au début du film, on peut assumer que ça se passe un petit peu dans la période de l'apogée du Fullmetal Alchemist. Vous savez, avant qu'il arrive à Lior, mais après qu'il ait sauvé des tas de villes, qu'il ait aidé des tas d'innocents à travers le pays et tout. Mais plus tard dans le film, on découvre que Ed et Al sont tout à fait au courant de la matière première pour faire une pierre philosophale. À savoir, attention spoiler, mais qu'est-ce que je raconte? Je parle à des gens qui sont à la Japan Expo. Normalement, c'est rempli de personnes qui ont déjà lu ce manga 4000 fois et qui ont vu la série 6000 fois. Donc la matière première, à savoir les humains. Donc, ça se passe après l'histoire du cinquième laboratoire. Dans ce cas, où est-ce qu'on peut caser cette histoire? Donc parce que ce soit dans la première série, le manga ou Brotherhood, après l'histoire du cinquième laboratoire, l'histoire s'enchaîne jusqu'à la conclusion. Et ils n'avaient pas du tout l'occasion de rentrer à Central pour aller glander le jour de l'an. Donc le film est dans une continuité totalement à part. Je ne peux pas dire qu'ils auraient pu éviter cette incohérence parce que le fait que les humains soient la matière première pour faire une pierre philosophale, ça fait partie du dilemme de l'histoire. Même que Table City a été construit pour pouvoir fabriquer une pierre philosophale en utilisant des humains. Comme la fin du manga d'ailleurs. À la limite, c'est un moindre mal, mais après le canonique est très satisfaisant conquérant of Shambhala, ça fout un petit peu mal quoi. Et aussi je trouve ça bizarre que les frères Elric, ils trouvent ça commun d'avaler une pierre philosophale. D'accord que les homonculus faisaient ça et que Kimberly mettait la pierre philosophale dans sa bouche pour la cacher, mais quand même, ce sont des petites déceptions qui te font pas dire « Ouais, la pierre philosophale, c'est une friandise !» Et les Al ne sont pas super exploités. Le centre de l'histoire, c'est Julia, le peuple de Milos et le frère de Julia. Mais bon, je n'ai rien contre ce genre d'histoire où nos héros sont les témoins d'une autre histoire, surtout dans un film one-shot, quoi. Winry essaye bien de rappeler un petit peu que c'est aussi leur histoire en faisant un petit parallèle entre Julia et son frère, mais un subtil ! Et deux, c'est pas assez. Ils se contentent d'aider, c'est tout. C'est toujours pas assez pour être qualifié de protagoniste. Ils ne servent que de personnages témoins et d'éléments de scène d'action. Ce qui n'est pas un mal en soi, bien sûr. Ed, par exemple, il est toujours aussi badass. Il y a une scène que j'adore où il se met à transmuter une pipe de communication juste pour dire à son adversaire « Hey, du con, on vient de casser la gueule !» Il peut être un personnage secondaire si Ed botte des culs. Moi, je suis totalement satisfait. Par contre, les révélations au cours du film sont un petit peu ridicule. Je suis ton frère. Je suis pas ton frère. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Je sais, Al. Ah, et ouais. J'ai pas grand chose à dire sur le frère de Julia en fait. Le faux Melvin est un psycho-mégalomane et le vrai Melvin est un psycho-mégalomane. Mais il est pas pareil que l'autre parce que lui il a un masque. Ils auraient pu garder le faux frère en vrai frère. Ça aurait fait une révélation ridicule en moins dans tout ce bazar. Les scènes d'action, malgré l'animation plus que limitée, sont excellentes. Ça a beau être mal animé, il y a quand même de la créativité dans les scènes d'action, de beaux plans, un bon rythme. La séquence du train est d'ailleurs très chouette et la bataille finale est excellente. Ils exploitent bien l'aspect alchimique des scènes d'action tout en gardant une énergie des plus prenantes. C'est concrètement un des rares trucs réellement à la hauteur dans ce film. Et la musique est
énorme. C'est sérieusement une des BO les plus épiques qui m'ait été donnée d'écouter. Et ce, depuis un long moment. Composé par Taro Iwashiro, qui a notamment fait la musique d'Onimusha 2, du film Kenshin, des Trois Royaumes, et surtout de l'excellent Memories of Murder. Un super film coréen que je vous conseille d'ailleurs. C'est ok de conseiller des films coréens à la Japan Expo? Bref, dans l'ensemble, Full Metal Alchemist, l'étoile sacrée de Milos, est un très sympathique plus dans la saga et que tout fan de Full Metal Alchemist se doit de voir, même si c'est clairement imparfait. Cela dit, j'accepterai avec plaisir d'autres plus à la saga dans le genre. D'autres films one-shot dans ce style-là, ce serait très sympa. Mais juste en faisant en sorte de mieux utiliser son casting que dans les films Pokémon. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires, à liker ou à t'abonner. Et rendez-vous sur le site voxmaker.fr dans la boîte magique où je vous réserve une petite vidéo sur les réactions des fans à la Japan Expo. Bonjour, c'est quoi votre nom? Vieux con! De quoi tu m'as traité, vieux con? Hé, ermite! Nananananero!